Hi, I'm Sabina. I'm a qualified French teacher. You're going to hear Melissa talking about routine matinale. She's a native French speaker from Switzerland. If you just want to listen to the audio visual clip, that's absolutely fine. You can get it at this many minutes here. If you want to do some listening activities to really improve your listening skills, stick around for a few more seconds. You can either have a go at the activities that are in this one of these listening links up here. There are 6 or 7 activities that you can take. Alternatively, you can download the link at the website below, which has a worksheet that you could undertake whilst listening. If you want to, you could also have a look at the transcript, maybe after you've watched it a couple of times, just to make sure you haven't missed anything. I recommend trying to talk about your routine matinale after you've listened a few times and try and use some of the useful words and phrases that she mentions. Enjoy the vlog on routine matinale, the morning routine, to help you with your beginner French, your advanced beginner French, your GCSE, A1, A2 French as well. Please do remember to subscribe. Bonjour, je suis Mélissa et bienvenue dans ma routine matinale. Alors, pour me réveiller, j'ai dû mettre plusieurs alarmes sur mon téléphone car j'ai du mal à me réveiller. Une à 7h30, une à 8h et une à 8h30. Je vais aller prendre une douche, me brosser les dents et ensuite j'irai prendre mon petit déjeuner. Mais d'abord, je fais mon lit. J'habite en Suisse, pas du côté allemand où l'on mange beaucoup, mais du côté français. Donc le matin, je mange très peu, soit une viennoiserie, croissant ou pain au chocolat, soit une tartine de confiture avec un jus de fruits ou du thé, car je n'aime pas le café. Quand j'étais plus jeune, l'école était juste à côté de là où j'habitais, ce qui veut dire que j'avais beaucoup plus de temps. Le matin, je me dépêchais alors de prendre mon petit déjeuner pour pouvoir ensuite regarder la télé. Aujourd'hui, l'école est à 1 heure de chez moi, donc je dois me dépêcher pour pouvoir être prête pour prendre le train. Si je n'avais pas école aujourd'hui, je pense que j'aurais beaucoup plus mangé et je serais retournée dans mon lit. Maintenant, je vais vite aller m'habiller, me coiffer et me maquiller pour être prête pour la journée. C'est bon, je suis prête pour aller à l'école. Il me reste mon sac. Et voilà. Au revoir.